Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment installer le logiciel Pitcher Tweets. Alors tout d'abord, à quoi va nous servir le logiciel Pitcher Tweets? C'est un logiciel pour réaliser des diaporamas. Alors l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Même des enfants pourraient l'utiliser. Vous êtes prêts? À tout de suite. Alors on se retrouve sur internet sur le site de Google et on va taper tout simplement Pitcher Tweets. Alors ils sont à la version 7.5, donc je vais mettre version 7.5 et puis je vais mettre télécharger. Voilà. Là j'appuie sur ma petite loupe. Voilà. Et ici un site que j'utilise beaucoup, c'est le site télécharger.com, donc je vais cliquer dessus. Donc c'est une version d'essai, donc là je vais cliquer sur télécharger tout simplement. Alors là il me propose de la pub, j'en ai pas besoin, je fais annuler. Et là, je vais enregistrer ce document sur mon ordinateur. Donc là, je vais faire enregistrer sous. Voilà, je vais aller le mettre dans télécharger. Et je vais faire enregistrer. Voilà, ça va assez rapidement. Là, il fait une analyse antivirus pour voir si tout est OK. Donc là, maintenant, je peux exécuter le programme directement. Exécuter. Là, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. D'ici quelques secondes. Voilà, j'ai mon écran noir. Et là, je vais dire oui. Voilà, là, je clique, je comprends les termes du contrat. Je vais faire suivant. Donc là, je laisse tel quel suivant. Je fais suivant. Alors là, je vais peut-être décocher ces deux-là. Quoique non, je vais laisser tel quel. Voilà, je vais faire suivant. Et mon installation se réalise. Voilà. Maintenant, je vais faire terminer. Lors de mon installation de mon logiciel, soit vous entrez la clé si vous l'avez acheté, parce que c'est un logiciel payant, ou on fait poursuivre les validations. Je vous montrerai dans un prochain cours comment acheter la version. Donc là, on va faire poursuivre les validations. Et donc, nous voici dans notre logiciel. Pour l'instant, on va s'en arrêter là. Et nous verrons dans un prochain cours un petit tour du logiciel. Donc, je vous remercie de votre installation. Et espère que vous arriverez très facilement à installer ce logiciel. À très bientôt!